Et salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Egon Alternative Show. Alors là on est un petit peu, on est dehors, on est sur le balcon de mon auberge de jeunesse. Et peut-être que tu vas entendre, mais la qualité sonore est pas la même qu'avant parce que j'utilise pas le casque d'avant, mais j'utilise mon ancien petit enregistreur en attendant le nouveau Zoom H5 dont je t'avais parlé un petit peu avant. Et c'est hyper frustrant, tu sais, quand t'attends un truc que t'attends vraiment depuis longtemps et que t'as trop hâte de recevoir mais qu'il arrive toujours pas. Donc bon, faut être patient et ce genre de choses, c'est un petit peu relou, mais bon. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de confiance en soi et j'aimerais qu'on parle de progrès un petit peu. Et je t'avais écrit un petit truc sur Facebook que je vais te relire. La confiance ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Les gens se sentent moins anxieux et plus confiants à l'intérieur quand ils peuvent se référer à des accomplis extérieurs. Simuler la confiance, c'est simplement camoufler le doute. Le manque de confiance vient d'une tendance à éviter la réalité. La vraie confiance vient du jus de nos expériences qui sont concrètes, qu'on a vécues. Elle nous vient de moments de succès quand tout semblait pas très bien parti. C'est la seule façon. Il n'est pas rare que les 20-somethings viennent en rendez-vous et me demandent si je peux les aider à accroître leur confiance en soi. Certains semblent penser que je fais dans l'hypnose et que si je les hypnotisais, ça marcherait. D'autres pensent que je pourrais leur inventer une sorte de potion magique à base d'herbes spéciales. La seule manière que j'utilise pour leur faire gagner confiance en soi est de les renvoyer à leur travail ou dans leur relation avec quelques infos supplémentaires. Je leur apprends comment ils peuvent améliorer leur réaction aux émotions. Je leur parle de ce qu'est réellement la confiance en soi. Et ça, c'est un extrait, encore une fois, du livre qui s'appelle The Defining Decade de Meg Jay. Et je trouve ça vraiment génial parce que, quelque part, ça te montre que... Enfin, tu sais, on a souvent tendance à se dire que ce soit pour trouver des jobs ou que ce soit pour tenter quelque chose de nouveau, pardon. Tu vas peut-être entendre des petits peu, je vais essayer de le mettre comme ça, ça devrait être mieux. Tu sais, que ce soit pour trouver un job ou que ce soit pour, quoi que ce soit, aborder une fille dans la rue ou demander une hausse de la paye, je sais pas trop dans quelle situation t'es, mais c'est toujours un petit peu la même chose. On se dit souvent qu'on n'a pas suffisamment d'expérience, tu sais, ou qu'on n'a pas suffisamment de confiance en soi. Et on attend toujours un peu pour la bonne... C'est pas la bonne excuse, mais on a toujours l'impression qu'on pourrait avoir quelque chose de plus avant de tenter, qu'on a besoin de faire quelque chose de plus, tu vois, qu'on n'a pas suffisamment de confiance ou pas suffisamment d'expérience et tout. Et moi, je trouve ça intéressant le fait de dire qu'en fait, tout vient déjà de l'intérieur et que tout est déjà là en quelque sorte, tu vois. Et que... Enfin, moi, je vais prendre un exemple. Pour moi, là, récemment, ce matin, je me suis enfin décidé à créer une sorte de formulaire dont tu entendras parler très prochainement. Enfin, il y aura une offre spéciale dont je vais te parler dans pas trop longtemps, tu vois. Mais il fallait que je bosse un petit peu dessus, que je crée une sorte de formulaire, etc. Et je me disais, mais j'ai pas, enfin, tu vois, qui je suis pour proposer ça, qui est-ce que je suis pour proposer aux gens de faire ça et pour prétendre à ça, tu vois. Mais enfin, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est que on a souvent l'impression qu'on n'est pas assez bon, tu vois, ou que on n'est pas la bonne personne, on n'a pas confiance en nous, dans ce qu'on veut, enfin, pour le projet qui arrive. Et il y a un truc que je trouve génial, c'est que tout à l'heure avec Léa, on se baladait dans le jardin botanique et on se racontait, ça nous arrive un petit peu, je sais pas si toi ça t'arrive des fois avec tes potes, tu sais, on reparlait de nos années quand on était entre le CP et le collège, tu sais, ces années là et moi pendant ces années là j'ai passé énormément de temps avec mon demi-frère et ma demi-sœur. À l'époque on était 5 en fait, et je jouais énormément avec eux, c'était un peu comme des frères et sœurs, quoi. On a passé 10 ans ensemble et du coup je racontais à Léa un peu toutes ces périodes, tous ces moments où on jouait, enfin tu sais ce que c'est, on jouait aux cartes Pokémon, on jouait à Yu-Gi-Oh, on collectionnait les espèces de trucs Pokémon là, les espèces de toupies qu'on s'envoyait qui devaient s'interchoquer, on collectionnait les billes, enfin tu te souviens de tous ces petits jeux. Et le fait d'en parler aussi longuement, et on essayait vraiment de se souvenir de toutes les chansons, de toutes les classes vertes et tout, ça m'a vraiment remis en tête qu'en fait, on oublie à quel point on a vécu, et on oublie à quel point on a vécu des choses, tu vois. Et que, euh,
que la majorité des choses qu'on a vécues, des événements ou des actions qu'on a faites, on les a pas oubliées, mais elles sont ancrées, elles sont vraiment, tu vois, elles sont bien cachées, nichées au fond de notre inconscient. Et quand il pense comme ça, du coup, ça m'a un peu, tu vois, je me suis dit, tiens, je me souvenais, enfin, j'avais oublié que j'avais vécu autant de choses. Et c'est là que je me suis dit, mais si au final j'ai vécu autant de choses, ça veut dire que j'ai autant expérimenté, en fait, qu'il y a plein de trucs que j'ai déjà fait. Et ça, c'est une super méthode pour, je pense que c'est une super méthode pour se lancer dans quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et tu sais, quand, je sais pas si t'as un projet ou si t'as envie un peu de te lancer dans quelque chose de nouveau ou peut-être de postuler un job auquel t'as jamais postulé avant, un truc qui demande vraiment des compétences, on a peur de pas être à la hauteur, tu sais, on a peur de passer pour un con devant le recruteur. Et en fait, on a même pas peur de ça, on a carrément peur d'appuyer sur le bouton postuler ou on a carrément peur d'appuyer sur le bouton envoyer, parce que c'est ça qui nous fait flipper, on a l'impression qu'on n'est pas de taille. Et en me rappelant de ça, de toutes ces, c'est marrant, hein, mais de toutes ces histoires que j'avais vécues quand j'étais enfant, ça m'a rappelé que j'avais vécu plein de choses et que dans toutes ces choses-là, j'avais vécu énormément de challenges. Et une astuce que je pourrais te donner, tu vois, c'est que même si t'as pas l'expérience nécessaire ou si t'as pas les qualifications nécessaires, enfin, t'as pas ce qu'on te demande, tu vois, pour quoi que ce soit une offre de job ou que ce soit pour plaire à une fille ou plaire à un garçon, t'as l'impression que t'as pas les qualités requises ou j'en sais rien, quelque chose qui nécessite une certaine compétence. Plonge-toi dans tes souvenirs et replonge-toi dans des moments où tu as été fier de toi et où t'as eu confiance en toi parce que t'as réalisé quelque chose qui avait un challenge, tu vois, qui avait une certaine difficulté à l'époque. Il doit y avoir un bruit atroce là, parce qu'il y a plein de travaux. Je vais essayer de rentrer. Bon, du coup, on est un peu plus au calme là, mais voilà, c'était ça l'idée, c'est que quand tu fais face à un problème dans lequel tu as l'impression de ne pas avoir les compétences suffisantes, essaye de te rappeler vraiment un moment où tu t'es surpassé, où tu as vraiment accompli de quelque chose de bien par rapport aux exigences qui étaient recommandées, tu vois. Et c'est dans ces moments-là et c'est dans ces souvenirs-là que tu vas piocher ta confiance en soi et que tu vas piocher le courage nécessaire pour faire la démarche. Tu sais, le formulaire dont je te parlais tout à l'heure, là, enfin, ça paraît idiot, mais enfin, tu vas savoir bientôt, c'est une annonce que je vais faire sur la chaîne, tu vois. C'est un truc auquel je pense depuis hyper longtemps et j'ai beau avoir traversé l'Australie sur une moto en mode solo pendant 2 semaines et avoir traversé un désert, je me sentais pas capable et je me sentais pas légitime de faire ça, tu vois. C'est marrant, hein. Mais du coup, pour me mettre un petit peu, tu vois, pour me bouger le cul ce matin et pour me dire, bon, il faut que je le fasse parce que ça trotte dans ma tête et tout, c'est là depuis beaucoup, beaucoup de temps et j'y suis toujours pas, enfin, je l'ai toujours pas fait. Il faut que je le fasse et je me suis rappelé un peu de tous ces challenges, tu sais, que je me suis mis comme le courage que ça m'avait demandé de prendre mon avion et mon billet pour l'Australie, le courage que ça m'avait demandé pour me dire que j'allais faire mon road trip en moto, le courage que ça m'a fait pour avoir les boules de dire à mon premier patron que j'avais énormément d'expérience dans la restauration alors que c'était faux, tu vois. Et tu peux vraiment utiliser tous ces souvenirs de challenges précédents que tu as déjà vécu, parce qu'on a tous vécu des challenges, on a tous à un moment été fiers de nous, on a tous à un moment accompli un objectif qu'on trouvait difficile, tu vois. Que ce soit, j'en sais rien, que ce soit faire 20 pompes et en faire une 21e, tu sais, ça, je sais pas si tu fais du sport, mais moi ça m'arrive souvent. Je me dis, allez, je fais 20 pompes, et à la 20e, je me dis, putain, si j'en fais 21, je suis vraiment un badass, et j'en fais 21, tu vois. Que ce soit ça, que ce soit, je sais pas, moi, aller chercher ton petit frère à l'école quand tes parents étaient pas dispo, ou des petites actions comme ça. Et tu te remets dans l'état d'esprit dans lequel tu étais à l'époque où tu as accompli ça. Parce qu'en termes d'échelle, aujourd'hui, ça veut rien dire, tu vois. Je veux dire, faire une 21e pompe, alors que tu t'es dit que tu t'en faisais 20, enfin, c'est pas énorme, tu me diras, mais ça demande aucun courage et tout. Mais sur le moment, quand t'étais dans la galère, quand t'étais vraiment en train de donner tout ce que t'avais, mettre toute ton énergie dans tes bras pour relever une 21e fois ton corps, et bien à ce moment-là, ça comptait. Et tu te remets dans ce moment-là et tu te remets dans ta peau au moment où t'as fini ta 21e pompe, tu vois, et où tu te lèves et tu dis, « Waouh, putain, je l'ai fait, je me suis surpassé, je suis allé plus loin que ce que je pensais. » Et tu profites de cette énergie pour faire l'action, tu vois. Moi, j'adore ce livre, vraiment, elle donne vraiment des supers idées. Elle parle énormément du couple aussi, mais
J'ose pas trop en parler pour être honnête sur Alter Egon. Peut-être que ça, je sais pas, peut-être que ça t'intéresserait, peut-être que t'aimerais qu'on parle de couple. Tu peux me dire ça dans les commentaires. Et moi, je vais te laisser là. J'aimerais bien, pour ce podcast, que tu me dises quel est le challenge que tu as en ce moment et qu'est-ce que tu aurais besoin de débloquer, dans quoi tu aurais besoin de plus confiance en toi, dans quoi tu te sens incompétent et dans quoi tu te sens coincé en fait pour avancer. Mets-moi ça dans les commentaires et moi je vais te laisser, ça fera un podcast un petit peu court, mais je te dis, j'attends vraiment de recevoir mon nouveau bébé là, tu sais, le Zoom H5, je l'attends avec une impatience, c'est un truc de ouf. Et voilà, et quand il sera arrivé, on va faire des super podcasts avec une meilleure qualité sonore, ce sera vraiment génial. Et voilà quoi, qu'est-ce que je voulais te dire aussi, oui, je vais peut-être te raconter un petit peu la journée de taf, ça s'est super bien passé. Mon premier jour de taf, tu sais, c'était il y a 2 ou 3 jours. Et la fréquence des podcasts sera beaucoup plus low, tu vois. Je pourrais pas uploader autant que ce que je faisais avant. J'étais carrément même à une vidéo par jour avant, mais là ça va être un petit peu tendu pour tenir le rythme, tu vois. Mais ouais, c'est marrant, je taffe avec un mec, c'est une espèce de... Enfin, c'est un gars, si tu veux, je voulais t'en parler la dernière fois, mais c'est un mec qui connaît tous les plans de trucs gratuits sur Adelaide, tu vois. Le mec, c'est le clochard professionnel. Il sait où aller pour avoir des chaussures gratos, pour avoir des petits déjeuners, des dîners, pour avoir une salle de bain, une douche, un shampoing gratos, tout ce que tu veux. Chaque fois, le mec, il arrive, il me fait « Ouais, tu devrais aller là, c'est gratos et tout. » Enfin, il est trop marrant, tu vois. Il récure le fond des poils. Tu sais, parce que nous, on fait la vaisselle et on récupère pas mal de... Enfin, toutes les casseroles qui sortent de la cuisine. Et lui, il cure à chaque fois le fond pour choper le dernier spaghetti à la sauce tomate. Et il le graille, tu vois, avant de laver sa poêle. Donc, c'est vraiment le délire, mais on se marre bien, quoi. Ça a bien commencé. Mais voilà, le truc, c'est que ça m'occupe pas mal. Je suis pas mal occupé. Ça va être chaud, mais je vais continuer à creuser, je vais continuer à discuter avec toi et on va continuer à un rythme un peu moins continu, mais toujours avec autant d'enthousiasme. D'ici là, moi, je te laisse. Dis-moi dans les commentaires face à quel challenge tu es et quel est le domaine dans lequel tu penses que tu n'as pas assez d'expertise et où tu manques de confiance en toi pour accomplir un truc. D'ici là, moi, je te laisse, je te dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ciao.